Et bonjour et bienvenue. On est reparti pour plus d'Odyssée. En route pour la quête principale. Pas bah, une des quêtes principales. Donc, ouais, c'est juste une petite balade en mer pour le moment. Allez, on va s'approcher de ces débris. Voilà. Pas mal aussi. Ah, eux, ils savent pas naviguer, par contre. Donc ouais, on continue cette histoire, on doit aller voir... Je sais plus son nom, j'ai pas envie d'aller regarder dans le menu. Mais Hippocrate, voilà. Donc ouais, on doit juste aller le voir, lui parler. Et puis voilà. Bah, j'ai rien à dire honnêtement, rien de spécial. On va faire ça, on va voir où la... L'histoire, une des histoires principales nous mène. Normalement, on devrait pouvoir accoster ici, non? Genre là. Là, ouais. Des choses à repiquer. Parfait. Sortez les rames! Préparez le navire pour amarrage! Épidore. On n'est jamais venu apparemment. Ah. On n'est jamais venu. Bah, j'ai envie de dire à... On peut aller s'amuser. On peut aller s'amuser. Allons nous amuser. Maison d'Eristhenea. Si on me voit ici, j'aurais des ennuis. Ouais, je sais. Oh. Ah, yes. Xénophon. Xénophon. Il faut trouver où est l'archer. Ah ouais. Bah vas-y, hein, cherche. Oh merde. Ah, il va me trouver ce coup. Oh d'accord. Ouais. What? Bah pff, ouais. Enfin après moi j'ai été con, hein, j'ai répondu oui à sa question. Il me demande si je sais comment on meurt. Bah oui, ouais, fallait répondre non. Fallait répondre non. Oh là là, quelle merde. Je vais devoir faire très attention par ici. Ouais. Allez! À mort! Mourir! Là!
Ah merde. Les dégâts quoi. Bon, il est où là, notre nouvelle recrue là? Merde. Ah putain. Très bien. Lida. Il y a un archer. Protégez-vous. Qu'on lui mette le feu, qu'on le laisse brûler un peu. Bon, reste en vie. Hein. Je suis sûr qu'il va mourir. Ça fait trop de dégâts le feu en fait. Je peux pas. Oh là là, je peux pas prendre les gens comme ça quoi. Merde. Bon, désolé. Pas grave. Ah 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 ah. Qui es-tu? Il y a le tir prédateur là, j'ai envie de remettre du 20% de dégâts en plus, que c'est vrai quand même qu'il commence à faire très mal. Plus que ça je crois. Ah c'est plus ou moins pareil, c'est juste qu'on peut tirer de très loin comme ça. Puis on peut faire... on peut diriger la flèche aussi. Il a pas l'air con lui. On peut tirer à travers. Je sais pas s'il y a un mur ou pas. Le tuer va me rapporter gros. Réduire la concurrence. Voilà. Très bien, on avance. Non, attends. Alors là, on a un lieu à faire. C'est vrai qu'on était venu ici, on a des nouveaux lieux. Ok. Ça alors. Vas-y, approche. Ouais, non, t'es trop loin. Non. Hop là. C'est con qu'on les one-shot pas. Hein.
que moi j'ai pas le temps de rester appuyé sur la touche. J'ai des choses à faire. Bon après ça fait des trucs stylés. Ah! Ok, alors lui faut pas faire de la merde. Ah, des flèches, c'est bien. Oui, c'est de là-bas, ouais. Pensez trouver cette vipère ici. Je vais la trouver. Les assaillants devaient être prêts. Eh merde. Ok, très bien. J'offre la liberté et de l'argent à tout mon équipage. Toi, y compris. Ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, parce que toi t'as l'air sympa. Ah, t'es exactement pas un potentiel incendie au début d'un conflit. C'est bien. 20 dégâts infligés par les soldats de marine. 15% blindage. Ah. Santé à tous les lieutenants. Ouais, pourquoi pas. Dégâts infligés par les soldats de marine, les lieutenants. Santé lieutenant. Potentiel incendie par flèche, blindage. Après, eux, ils sont pareils. Ils ont... ouais, c'est le même type de personnage. Est-ce qu'on peut pas mettre un mec différent, genre juste pour changer, histoire de changer. Genre un mec qui a l'air intéressant. Hippolytos. On va voir. Juste histoire d'avoir des gens différents, là, qu'on appelle des gens différents. C'est tout, en fait. Attends, il y a un truc, là. Ouais. C'est juste histoire d'avoir un meilleur lieutenant, peut-être, potentiellement. Enfin, honnêtement, un gros bourrin avec une lance gigantesque et un bouclier. Ben voilà, quoi. C'est difficile de faire mieux, j'avoue. Mais bon, on sait jamais. Ça fait un bail qu'on l'utilise, lui, Philaon, là. Regarde sur qui on pourrait envoyer le lieutenant. Je pense que lui, celui-là que j'ai mis, c'était sûrement un dirigeant qu'on a kidnappé. Ah, vous avez vu, hein? Fou, hein, ce qui se passe ici. Incroyable. Le truc qui explose pour un rien comme ça.
Incroyable. Massue de bronze de périphérée. Allez, on y va. Ok. Ça va être notre zone test. Je dois rester hors de vue. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. Ah, ok. C'est juste un archer en fait. Il y en avait un peu plus que prévu. Après, il fait mal le mec, hein. Faut le dire, hein. Le mec après il se débrouille bien, hein, l'arc. Hein. Personne qui le touche. Mais cassez-vous les Athéniens. Pas mal, mais ouais, c'est pas... C'est bête qu'on puisse pas voir ce qu'ils font, en fait, avant de les mettre. Genre, s'ils ont la même gueule, ça veut dire que c'est tous des archers. Nymphodoros... On a une autre personne comme lui. Non, t'es le seul. T'es le seul. Là, je regarde même pas ce que les... ce que les statistiques de bateau font. C'est vraiment pour le lieutenant point barre. Allez. Allez. Ah, on a le combat, on peut faire le combat. Arcus. C'est joli ici. Ah, c'est ça. Sanctuaire des rats. La musique qui coupe. Ok, tout le monde peut mourir. Bonjour, ça va ? Ah bah ça c'est bête. Ça c'est très bête. Est-ce que je peux faire ça ?
mais je peux pas invoquer. Ah là là! Ah, gameplay, là, tu... Non, là, tu, là, tu me fais de la peine. À mort! Ok, donc c'est un spartiate avec un bouclier et lance qui se fait bolos. Et il se fait bolos par des paysans aussi. Waouh, ok. Bah c'était triste. C'était un peu triste. C'est vraiment très triste à voir en fait. Non, 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 non. Vas-y, tu peux le faire. What the fuck? Bien, tout le monde est en feu. Comment ça, toi? C'est toi qui viens me faire chier. Non, mais oh. Cette blague, quoi. À la fragile, bah tu portais bien ton nom. Ah merde. Lui, il a l'air bien en combat. Est-ce que des mecs en violet sont bons au combat? Ils sont aussi puissants que ça. Genre lui, si on le récupère, on peut l'utiliser ou pas? J'ai envie de tester. Oh, putain de boss. Je cherche des marins, et je te paierai comme personne ne t'a jamais payé. Genre, lui, il a l'air vachement intéressant, lui. Medios, la soifée de sang, vas-y. Merde, pas ça que je veux faire. Il reste des trucs à faire ici. Juste là-haut. Ouais. Ah, parce que si on peut prendre des gens comme ça et ils sont comme ça après qu'on les invoque, moi je dis pas non, mais bon.
Hop là. Alors, sur qui on peut l'invoquer? Bon, on verra ça plus tard, y a personne. Y'a personne aux alentours. Pourquoi on doit le voir là, Hippocrate? Non, on lui a déjà parlé, Hippocrate. Il est en pleine ville, non? Grotte de Pan. Bien. Quelle est la cause de l'état de cet homme? Un excès de flegme, docteur. Au sens le plus immédiat, oui. Mais en réalité, c'est de négligence qu'il souffre. Négligence? De bons repas et des vêtements chauds l'auraient sûrement aidé. Mais d'autres guérisseurs ont estimé que son état était un châtiment des dieux et l'ont négligé. Un défi aux traditions. Tu dois être Hippocrate. Oui, et je suis très occupé. Ah non, on lui a pas parlé. C'était le docteur en fait qu'on devait voir, je commence à m'en rappeler. C'est important. Dis-moi d'où viennent tous ces gens, s'il te plaît. Patience, mercenaire. Ils viennent d'un peu partout, mais surtout du sanctuaire d'Asclépios. Il y a foule là-bas depuis que la guerre a commencé. Et la foule favorise les maladies. J'arrive de ton établissement à Argos. Sostratos m'a demandé de te remettre ceci. Je savais que j'avais oublié des choses. Sostratos est un bon médecin, mais c'est surtout un élève hors pair. Tu lui as demandé de te payer pour ce service? Naturellement, je suis Mystios. Ah, tu es vénale mais franche. Comment dois-je t'appeler, Mystios? Cassandra de Sparte. Et qu'est-ce qui t'amène ici, Cassandra de Sparte? Ce qui est marrant avec Cassandra, c'est qu'on sait pas trop sur quel pied danser. Genre, est-ce qu'on est là à essayer de passer incognito? Parce qu'on est un peu recherché par Sparte et tout ça. Ou alors on dit à tout le monde qui on est. Non, c'est... Ah, des fois, je sais pas. Je cherche une femme, une Spartiate. Pourquoi penses-tu que je la connais? On m'a dit que tu l'avais peut-être aidée. Il y a longtemps. Les prêtres du sanctuaire d'Asclépios pourront peut-être t'aider. Ils tiennent des registres de ceux qui viennent les voir. Je t'en prie, Hippocrate. J'ai fait un long chemin pour te voir. Comme ce patient, celui qui était avant lui et celui d'avant encore. Mes patients ont besoin de moi, mais on m'a volé mes notes sur les mots de l'esprit. Retrouve-les et je t'aiderai en retour. Fais vite, ce patient n'en a plus pour longtemps. Ça marche. Sostratos m'a interdit de parler de ta calvitie. On peut mettre tes notes. C'est Crazy qui t'a pris tes notes. Pourquoi la femme cherche à aller au sanctuaire? De quoi parlent ses notes? Où dois-je aller chercher tes notes? À la forteresse de Fortirin, tout près d'ici. Peut-être qu'on te les rendra si tu les demandes. Ou peut-être que je provoquerai un joli combat. Loin de moi l'idée de dire à une Mystios ce qu'elle doit faire. Mais je t'en prie, ne tue pas pour le plaisir. Cette guerre a déjà fait couler trop de sang. Ouais, on verra. Je vais faire au mieux avec tes informations. Bonne chance, nous comptons sur toi. Ça marche. Avant tout, ne pas nuire. Alors, on peut les informations auprès du secteur au secteur. Trouver 10 masses. Tiens, oh là là, il y a juste un truc là. Waouh, portez vos masques les gens, la vache. Portez vos masques. Oh. Où est-ce qu'on va ? Oh la vache.
Let's go. Waouh. Dieu. Elle fait peur à chaque fois qu'elle fait ça. Ah, trouvé. Ah, c'est sympa. Du coup, ça m'indique pas. Alors, le médecin est en Nagroli. Il est dans la partie nord-est des ruines anciennes de Persée. Argoli. Donc Argoli, oui. Oh putain, il y a plein de quêtes là. Ici, on a renversé le gouvernement. Pourquoi pas aller aider les Athéniens, juste pour le fun. Allez, le cheval. Bon, c'est vrai que c'est un peu la merde, mais... Oh mon dieu, quoi. Le cheval, il doit péter un câble. Allez, Phobos. Allez, c'est bon, on y est. Ah, attends. Bouge pas. Oh merde. Putain. C'est chier, on peut pas invoquer quand il est sur le cheval. Allez. Ah. Faut les occuper. Bats-toi ou je t'écrase. Bats-toi ou je t'écrase. Oh la vache. Tu n'aurais pas dû faire ça. Ah ouais, non, il est violent là, non? Il met des bombes et tout. Ensuite. Ok. Par exemple, lui, il est pas mal. Il est super agile et tout, surtout. C'est ça, le truc. Donc, ouais, en théorie, il est un peu mieux que l'autre, je crois, je pense. Attendez, on va sauvegarder. Moi, je dirais qu'il est mieux, hein. Porteuse d'aigle, tu tombes bien. Une bataille se prépare et nous aurions besoin d'un mercenaire tel que toi pour repousser les frontières spartiates. Ça marche. Je me battrai à vos côtés. Ah, à la bonne heure, guerrière. Allons mettre ces spartiates à genoux. T'es un peu trop excité, toi. Aujourd'hui, Sparte va souffrir. Ok. Ah!
Le saut. Ah putain de merde, j'avais pas mon... Ah la pute. Les dégâts qu'elle fait quoi. Un peu du gâchis. Il est passé où le... Bah, ah, il est là. Là-bas. Marrant de foutre le feu partout. Merde, j'ai perdu de vue le... Voilà. 65 soldats tués, c'est pas mal, 5 capitaines. Bon bah très bien, très bien, très bien. Très très bien. Ça nous a mis où? En plein milieu. J'avais vu qu'ici il y avait plein de quêtes. Chaîne de pré-fouiller le coffre. Ça c'est la... Le message là qu'on a récupéré en tuant... en testant l'autre là. Il a tué tout le monde et on, apparemment on a... Apparemment on a ça. Hey. Très bien. Non, pas très bien.
Il y en a encore un. Cool. Yeah, en route. 51. Da, 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 da. Alors... Qu'est-ce qu'on fait? On va... On va vers là, il y a plein de quêtes. Ouais, on peut passer en, dans les ruines anciennes de Perse. De Persée. Avance. Comme ça, ça nous fait découvrir des nouveaux lieux. En même temps. Le fort. Oh, Tyrins. On doit sa construction au Cyclope. Selon la légende. On ne veut pas de toi ici. Dégage. C'est parti. Je ne te retirerai pas. On marche. Bon, bah, on a bien fait de venir. Ah, du coup, c'est là qu'on doit trouver les notes du mec. Putain, on a très bien fait de venir, en fait. Je sais pas trop regarder. Les Hippocrates sont bien gardés. Pourquoi ? J'ai pas trop pris le temps de regarder où il fallait aller, mais du coup, ça s'est bien goupillé. Ok, on a encore un mec. Hippoclides, d'accord. Un peu le one shot lui. Ah ouais. Est-ce que là on a le bonus d'expérience que on s'est pas fait voir? Enfin, le mec il nous a repéré, mais il nous a repéré en mourant. Donc comment ça se passe? Oh. Non. Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Hippocrate qui m'envoie. Ton commandant a volé ses notes et je crois que c'est toi qui les as. Celle du grand Hippocrate en personne? Je regrette.
Elles ont brûlé lors du dernier assaut. Quoi ? Sérieux ? Tu as bien entendu. La tente médicale a brûlé. Mais je les avais lues, et je m'en souviens. Je les transcrirai quand cette guerre m'en laissera l'occasion. Alors tu vas devoir venir avec moi. Un patient d'Hippocrate risque de mourir sans ton aide. Regarde, j'ai déjà un patient qui a besoin de moi. Personne ne peut s'occuper de ça à ta place. Je suis le seul médecin ici. Laisse-moi. Ah, tu vas venir tout de suite. Le temps presse. On a besoin de toi tout de suite au campement d'Hippocrate. Bon, c'était pas vraiment prévu que ça se passe comme ça, mais... Moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour ton... Pour toute l'histoire, moi. Moi, il faut aller. J'ai besoin de... De revoir ma mère. Attends, par contre, on va te mettre là. Attends, bouge pas. Faut que je finisse le fort. Il y a un coffre en bas. C'est un peu chier là. Tu dois mourir. Oh la vache. Le bourrin quoi. Ah, tu t'es reculé au mauvais endroit. Attention à moi. Tu es à moi. C'est de la merde cette attaque. Pardon. Ah. Ah, j'avais pas vu. Victoire. Oh là 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 là. Ah, putain de merde. Par contre, ça c'est con de faire ça parce que là, s'il a un arc, il va me tirer pile directement dessus. Oh là 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 là. Ok, pas d'assos. Et Hippo. Pas d'assos et Hippo. On est dans la merde. Pourquoi t'es full vie?
Mais putain, tu me fais chier, toi. Oh là là. Plus. Ah mon dieu, c'était quoi ce vue là? J'ai la vue qui fait n'importe quoi. C'est relou ce bug là. Et monte. Toi, Hippo. Ah putain de vue de merde! Mais qu'est-ce qui se passe? Trop bien. Ah, c'est bien, hein. Affronte-moi, serpent! Ouais, c'est quoi ton nom? Pas lui, Hippo. Non. Oh, il y a un mec torche en légendaire, en élite. Si je fais ça, je peux détruire la... D'accord. Ah, ok. Ça se passe pas super bien, ça me gave. Ah mon dieu. Ok. Vu auto là qui me fout un peu dans la merde. Didrak. Ah non, c'est pas beaucoup. Il va me voir là, on est d'accord. Oh, j'ai rien dit. Alors lui c'est qui du coup? Ok. Oh ça va être joli. Mais putain! Dans la merde. On est discret avec notre épée en feu.
D'accord. C'est trop utile de faire ça, putain. Là-bas. Très bien, je faille louper ça. Ah. Bon, ça se passe bien, juste que ça se passe pas exactement comme je voudrais. Comment on rentre? Très bien. Alors lui, je crois qu'il faut le récupérer, celui-là qui est devant moi. Genre, il a pas de... Il a pas d'arme. Ah, il me fait chier. Bon sang. Ah. Malaka, au secours. Je ne peux pas faire. Ah, c'est un peu con. Ah la putain de toi. J'allume le signal d'alerte. Vas-y, va l'allumer maintenant. Tu es prêt à naviguer? Je te paierai. Va l'allumer ton signal. Je crois qu'il y avait un autre mec, mais j'ai dû le tuer. Ouais, c'était un mercenaire, je crois qu'il fallait que j'attrape, mais c'est pas grave. Bon, revenons à nos moutons. Déployer le monte-charge. Oh, ça tue! Trop classe. Mais je t'avais pas mis dans les... Faut pas ramper, mec. Ah, parfait. Allez. Mec, il a voulu s'échapper, quand même. Pas fou, lui. Être frappé un peu vite.
Mais je ne pouvais plus attendre. Et Hippocrate non plus. Eh oui. Ah, on est bien d'accord. Surtout qu'on a pris le temps de faire tout le fort avant de partir. Ouais, on pouvait pas attendre quoi. On pouvait pas attendre. Excusez-moi. Hippocrate, comment va-t-il ? Mal. Mais il reste une chance. Malaka ? Tu as trouvé mes notes ? Hélas, non. Mais lui, il fera l'affaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hippocrate ! Désolé, tes notes ont été détruites. Mais je me rappelle ce qu'elles contenaient. Dans ce cas, ton devoir est de m'aider à sauver cet homme. Il vivra. J'aimerais pouvoir en dire autant de mon patient. Quel patient ? Ton ami Lamistios m'a attaqué au beau milieu d'une opération. C'était le seul moyen de le faire venir à Tu as certes sauvé mon patient, mais l'autre ne méritait pas un tel sort. Au moins, nous avons pu sauver quelqu'un. Si nous avons terminé, je vais m'occuper d'écrire ce que je me rappelle de tes notes, Hippocrate. Oh mon Dieu. Je vais aller voir les prêtres pour tâcher d'en savoir plus sur ma mère. Viens, tu as eu une dure journée. Ouais, comme d'hab. On ne saurait sous-estimer l'influence de ce que l'on mange sur la santé. Et quel bienfait peut apporter une pomme ? Eh bien, une pomme chaque matin éloigne le médecin. Mais pas mal, ça, là. Plus sérieusement, je sais pourquoi tu es ici. Tu cherches ta mère. Tu te souviens d'elle ? J'étais jeune alors. Je n'ai pas su comment lui venir en aide. Mais je n'ai jamais oublié sa détermination et son désespoir. Ils restent gravés dans mon esprit et le resteront pour toujours. Depuis, j'ai juré à Apollon de ne plus jamais renvoyer un patient, de vouer ma vie à cette cause. Voilà l'empreinte que le courage de ta mère a laissée en moi. Elle serait heureuse de l'apprendre. J'ai envoyé ta mère au sanctuaire d'Asclépios. Annonce au plus âgé des prêtres qu'un traitement contre la maladie sacrée sera bientôt disponible. Cela l'incitera peut-être à te parler. Merci pour tout, Hippocrate. Je vais aller le voir. Merci. Avance. Merci beaucoup, Hippocrate. Alors, du coup... Oui, c'est vrai qu'on a une aptitude en plus. Dégâts à la langue, dégâts de chasseur... Ah, santé pour bête apprivoisée. Ah, c'est bien ça. Dégâts pour bête apprivoisée. Ah, là, ça devient intéressant. Dégâts à l'arc, c'est caché. Attitude chasseur. Attitude tir prédateur, dévastateur. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Mais on verra plus tard. Je sens que je vais refaire le truc. Obtenir des informations près, sanctuaire, ok. Je sens que je vais refaire le personnage. Genre on va enlever déjà l'attaque chargée qui sert à rien. Par contre on a fait ça. Je veux bien aller là où il y a plein de quêtes là. Ça a l'air marrant. Enfin, ça a l'air marrant, la façon de parler. Ça va pas être marrant pour les gens là-bas. Va.
Sympa de se balader comme ça. Oh, le coup de marteau en feu, quoi. Quand des Danaïdes. Mieux vaut éviter qu'on me voie ici. J'avoue. Il est là-bas. On verra après. Maintenant. Regardez sa tête. Il est vénère, hein, le mec. Hein. Putain. Ah, il a plein de... Oh là là, il s'est fait défoncer. Qui t'a dit de venir ici ? Oh la pute. Bien. J'ai envie de reprendre l'autre. Ah oh là 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 là, c'est chiant, je sais. Mais... J'ai envie de reprendre notre bon vieux. Tiens. Ah, ça, ils ont augmenté de niveau aussi. Là. Il a 11, c'est ça? Ouais, t'es quand même mieux. Ah, bouclier. Hein. Puissance du bouclier. Ah, putain de merde. S'amuse. Cadeau. Comme bouquet pour les mariés, mais c'est différent. Je t'en prie. Puisse Asclepios t'empêcher de souffrir. Elle va vivre. Seulement si les dieux exaucent nos prières. Beaucoup d'Athéniens malades sont arrivés récemment en Argolis. Et peu en sont repartis. La pauvre souffre du même mal. J'aimerais t'aider, non. Je cherche des informations à propos d'une spartiate qui serait venue ici. On m'a parlé d'une porteuse d'aigle. Dieu sans pitié, voilà ce qu'on m'a dit. Et tu te risquerais à refuser à une tueuse sans pitié les informations qu'elle réclame ? Ma tâche est de soigner les malades. Aide-moi à gagner l'attention des dieux, je te dirai ce que je sais. Et qu'est-ce que tu veux, au juste ? Il n'existe apparemment pas de remède à son mal. Et il se propage. Nos sacrifices n'ont pas su attirer l'attention des dieux. Ils sont restés sourds aux porcs et aux chèvres. Il nous faut une bête dont le sang attisera ses flammes, pour qu'Asclepios puisse les voir. Et à quelle bête penses-tu ? On raconte qu'un taureau, à la robe aussi blanche que la neige, vit aux alentours du sanctuaire. Va à l'ouest, en direction de la côte, ramène-le-moi en vie, et nous offrirons aux dieux un sacrifice qu'ils ne pourront ignorer. En vie ? Je vais te trouver ce taureau. Un taureau en vie ? Putain, mais ils ont fumé quoi, croyance à la con. Alors, le taureau sacré est en Argolis, taureau paix dans la nature nord du mont Corif. On l'a vu, le taureau près des ruines d'Asigny. Nord du... Pourquoi je me mets pas en carte, tout simplement. Alors, Donc... Les ruines d'Asigny, c'est ça? Non, c'est Styrine. On connaît pas les ruines? On doit pas les connaître. Bon, c'est pas grave. Alors...
Le Mancori fume. Près des ruines, donc là. Partie nord du mont. Ouais, il doit être là en fait. Ça marche. Ça marche. Est-ce qu'on prend les autres quêtes avant d'y aller? Le sanctuaire d'Asclépios, dieu de la médecine. Je fais plus confiance à un médecin qu'à un dieu. Je suis bien d'accord. Il faut que je lui parle. Si tu es ici pour ton bain de purification, tu en seras quitte pour revenir. Je cherche des informations. Dans ce cas, va te faire voir chez Hadès. Wow. Il faut que j'en sache plus sur une Spartiate venue ici. Il y a bien des années. Tu as les oreilles bouchées par les fientes de ton aigle? On m'a donné l'ordre de ne pas parler aux mercenaires. Et surtout pas de spartiates, ni de bébés blessés. Tu veux que mon aigle t'arrache la langue, prêtre? Pardonne-moi, pas la langue, pas comme Midon. Chrysis nous a interdit de parler à la porteuse d'aigle. Ah oui? Eh bien, tu vas me parler quand même de cette femme et de son bébé, ou je te noie dans les termes. C'est compris? Pitié, non! Il y a déjà un cadavre là-dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes? Des serpents. Des serpents? Qu'est-ce qu'il raconte? Il y en a partout. Ils ont dû s'échapper de la Tholos. On les garde pour les soins, mais ils ont envahi les termes. Et donc, ils ont tué quelqu'un? Un patient était en train de se purifier quand ils sont arrivés. Wow. Il avait une peur incroyable des serpents. Il en est tombé raide mort. Et maintenant, ils sont installés dans son corps. Et si je réglais cette affaire de serpent, tu accepterais de me parler? Oh, avec grand plaisir. Le bain de purification est une étape cruciale de la guérison. Je vais m'occuper de cette affaire de serpent. Oui, ensuite, oui, oui. Tu me diras ce que je veux savoir. Bon, ça doit pas être loin par contre. Oh là là. Pourquoi des serpents? Voilà. Alors? Les serpents ont quitté les termes? J'ai mis en pièces ces immondes malakès. Jusqu'au dernier. Mes petits, qu'est-ce que tu as fait à mes pauvres petits? Tes serpents avaient infesté mes termes. Un malade est mort à cause d'eux. Toi, c'est toi qui as fait ça. Les bons serpents sont des serpents morts. Tu vas le payer. Je te maudis. Alors? Alors quoi? Je me suis occupée de ces serpents. Et maintenant, tu vas me parler de cette Spartiate et de son bébé. En fait, je ne sais rien du tout. C'est bien plus ancien que moi. Si quelqu'un sait quelque chose, c'est Midon. Mais il ne te dira rien. Il ne parle plus à personne. Caisse de serpent. Moi, j'ai obtenu un nom. On peut pas le tuer, putain. On peut pas le tuer. Allez, poussez-vous les malades là. Putain, mais c'est une ville de zombies en fait. Auberge. L'endroit est forcément surveillé. Je dois rester prudente. Ah! Oh la pute! Mais va te faire mettre, toi! Oh la vache! Ça fait mal ça.
voilà. Oh la pute. Ouais, non, quand ils font ça, quand ils font leur riposte, y a strictement rien qui passe. Hein. Ça, c'est peut-être un peu incroyable, quand même. Je trouve ça peut-être un tout petit peu abusé, quand même. T'as une grande... Ouais, ben, un gros coup de masse dans la gueule, t'arrives à le riposter sans problème. Sortir là. Oh la pute! Oh mon dieu, les dégâts quoi. On est bon. Ok, cool. Merci Arès, hein. Merci Arès. Par contre elle, faut voir un peu comment elle combat, mais... Deux épées et tout ça, peut être pas mal. En plus elle est en or. Ah la pute. Oh la vache, elle m'a eu quoi. Bien joué. Parce qu'elle elle est en légendaire et puis elle a deux épées et tout ça, ça peut être pas mal pour la faire combattre. J'en sais rien, elle a l'air un peu nulle. Même oui. Les dieux doivent être impressionnés. Devine où va finir ta tête. Allez, crève maintenant. Ouais, bof. Rejoins mon équipage, tu ne le regrettes pas.
complète l'a dérangé. Création de points faibles au début d'un conflit. Merde. Et où filion ? Filon. On va voir. Bon, je suis en train de me perdre dans tout ce qu'il y a à faire. Vas-y, on peut. Il y a quelqu'un qui traîne là, qui veut se taper mon lieutenant. Non. Non. Après. Bonjour, jeune femme. Tu viens offrir un sacrifice à Asclépios ? Non. Mais je cherche une mère spartiate qui l'a peut-être fait. L'auguste Héra guide de nombreuses mères vers ce lieu sacré. Mais ma mémoire est trop fragile pour me les rappeler toutes. À quoi servent-elles, ces dalles de pierre ? Ce sont des registres. Nous prenons note de tous ceux qui viennent ici. Ah ben voilà. Maladies, traitements, afin qu'on puisse louer la gloire d'Asclépios. Alors, peu importe tes souvenirs, il suffit de trouver la bonne pierre. Oui, bien sûr. C'est une pensée très sage, si seulement... Et c'est le symbole de la pharmacie, là, pharmaceutique. Ma mère est venue ici. Et si tu ne veux pas que ton sang éclabousse les pierres, tu ferais mieux de me parler. Je t'en prie, c'est Crisis. Elle a dit que tous ceux qui oseront parler à la porteuse d'aigle finiront chez Hadès. Alors ne dis rien. Apporte-moi seulement la bonne pierre. Viens avec moi. Mais vite, mieux vaut rester discret. Je te suis. Allez, est-ce qu'il nous amène dans un... Par ici. Dans un guet-apens. Si quelqu'un nous observe, je vais y laisser ma tête. Étrange ce sanctuaire. Les prêtres n'y sont pas en sécurité ? Les temps ont changé, porteuse d'aigle. Pousse-toi, je te mets ta race. Ah, je me souviens de celui-ci. Il date de l'époque de la grande révolte des Ilotes. Tu n'étais sûrement qu'une enfant alors. Je me moque de l'histoire. Donne-moi les détails. On y parle d'une femme qui avait des vers dans la gorge. Asclépios lui a ôté la tête pour qu'on les lui enlève. Puis l'a remise en place pendant son sommeil. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je me demande ce qu'Hippocrate penserait de ces traitements. Hippocrate est un bon guérisseur. Il était si prometteur. Était ? Il soigne des malades en ce moment. Il se fie beaucoup trop à ses mains. Assez odieux. Quand il est question de vie ou de mort, je préfère les mains. Tous ces témoignages sont aussi insolites. Les auteurs d'aujourd'hui, Thucydide, Euripide, le pétulant Aristophane, tous cherchent le réalisme. Mais ce qui inspire vraiment les gens, c'est la grandeur, la magie et Dieu. Je mets la caméra comme ça on l'entend mieux. Ce récit parle d'un homme ayant reçu des coups d'épée. Une meute de chiens a léché ses plaies. Et Eureka. Ah, le meilleur ami de l'homme. C'est sans espoir. Mais ces récits sont source d'espoir, porteuse d'aigle. Ça ne marche pas sur moi. Parle-moi de Crisis. C'est une femme puissante et dangereuse. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est une enfant abandonnée. Les prêtres l'ont recueillie et lui ont enseigné la voie des dieux. Elle était déterminée.
Elle a appris très vite. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ce soit le prêtre qui l'écoute. Tout le monde l'aimait, mais son cœur renfermait une colère impossible à apaiser. Quand... Et celle-là ? Laisse-moi deviner. Il est question d'une femme aveugle dont des serpents ont léché les yeux. Il est écrit de Sparte, venu ici avec enfant, des dieux implora la pitié. Pourquoi a-t-on presque tout effacé ? Je vais te le dire. Je connais cette histoire par cœur. Cette Spartiate est arrivée sale, les pieds en sang après son voyage. Nous l'avons recueillie, nourrie, baignée, et elle est repartie. J'ignore où elle est allée. Quant à l'enfant, on n'a pas pu le sauver. Qui peut savoir où elle est partie ? On nous a vus. Retrouve-moi plus tard près de l'olivier d'Héraclès à l'entrée du sanctuaire. Je sens qu'il va mourir, lui. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Tiens, tiens, qu'avons-nous là ? Un prêtre et une mercenaire qui se promènent ensemble ? Que les dieux t'accompagnent, Pleistos. Je me rendais aux archives quand cette Mystios est tombée sur moi. Vraiment ? Et de quoi pouviez-vous parler avec tant de ferveur ? Je suis toute crasseuse. J'ai besoin d'un bon bain. Ce prêtre m'a gentiment indiqué où trouver les termes. Oui, c'est ça. Les termes sont dans cette direction. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Les termes ont pour but de soigner les malades, pas de laver le sang qu'on a sur les mains. Alors, pars. Et ben voilà. Chancon, il nous a donné rendez-vous vers un arbre, je crois bien. Chancon va le retrouver pendu ou un truc comme ça. Il a un parti nord, venu des rêves. Un olivier. Alors, le prêtre en Argolie, la partie nord de la vallée des rêves. Nord de la vallée des rêves, au carrefour de l'olivier d'Héraclès. Carrefour là. Ouais, c'est un carrefour ça. Let's go. Bon, quelqu'un veut se taper mon lieutenant là, s'il vous plaît? Non. Faut que je la teste. J'aurais dû faire ça depuis longtemps en fait, tester les lieutenants comme ça. Caché près de l'arbre. L'arbre d'Héraclès. Je me demande si on l'aime pour la légende ou pour ses olives. Bon, il est où ce prêtre ? C'est bon, ces olives. J'aime bien les olives piquantes surtout. Ou alors les noires, les grosses noires là. Qui sont un peu molles, c'est vachement bon aussi. Elles ont beaucoup de goût. C'est très longtemps que j'ai pas mangé des olives. Bah, j'aurais acheté des... Dans le marché, là, où vous faites des sacs d'olives, là. Qu'est-ce que j'aimais bien, j'en prenais différentes sortes. Pourquoi je parle d'olives, j'en sais strictement rien. Juste, je partage ma vie, merde. Je te remercie pour ta discrétion, porteuse d'aigle. Chrysis possède des yeux et des oreilles dans tout le sanctuaire. Que peux-tu me dire d'autre sur la Spartiate et son enfant ? Cette femme a laissé ici la couverture de son enfant. Nous voulions la lui rendre, mais c'était un souvenir trop pénible pour elle. Où est-elle allée ? Qu'est devenu l'enfant ? Ah, Chrysis avait raison. Tu connais les règles, Timoxenos. Tu vas subir sa colère. Pleistos, je t'en supplie. Viens derrière moi, prêtre. Je vais m'occuper d'eux. Ah putain, ça a pas marché, fais chier. On est plus invincible. Oh,
Ouais, ça a pas si bien, pas si mal marché, hein. Il est passé où le prêtre ? Asclépios soit loué. Puissent les malades trouver la paix. Pas si mal marché, hein, le coup de l'invincibilité. Faut que je l'utilise plus souvent, en fait. T'es qui, toi ? Ah, c'est ce que je pensais. L'ennemi des fleurs. C'est quoi comme nom, ça ? Bon, attends, du coup, moi... Bon, ben, j'ai eu mes récompenses, en fait. Enfin, mes renseignements, plutôt. L'ennemi des fleurs. Ah bah, attends. On y va. Ne m'en veux pas. C'est à cause de la mort. Elle est déjà à terre. T'es sérieux là? Mais c'est quoi ces gens tout pourris là? Faites chier. J'ai envie de tester avec quelqu'un d'autre. Ouah, wow, Philémon. Oui. En même temps, il faut attendre que ça recharge, quoi. C'est un peu relou, par contre. Bon, elle lui a fait des dégâts, quand même. Hein. Elle lui a fait des dégâts, j'avoue. Par contre, c'est quand même méga dangereux, hein, de jouer comme ça. Faut vraiment faire très très attention quand on ressort de Hades. Hein. Faut avoir les yeux rivés sur... Faut avoir les yeux rivés sur l'habilité. Alors, très bien, on a fini ça. Alors, faut voir un peu le reste. Alors, trouver et ramener le taureau sacré. Donc... Nord du mont Kori, machin. Donc là, on avait dit. Ok, t'es bourrin. Je dois essayer de ne pas me faire voir. J'avoue qu'il est bourrin, mais on a déjà fait cet endroit. Celui que je viens de mettre là. Bon, comment je fais pour faire venir un taureau? Alors, je lui mets des flèches au cul, après il vient me voir. Allez, monte. Ah.
Allez. Allez. Tout va bien. Avance. Bon, on doit pas être exactement là. Ah, on est proche. Le taureau blanc. J'arrive trop tard. On va voir. Wind Dazini. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle l'étrangle! Pas mal ça. Elle l'étranglait avec le manche en fait. Ah, mon cheval, putain. Personne ne se rend. Le mec, il m'a mis un coup de... Un coup de poing, il m'a enlevé genre 40% de ma vie. C'est pas mal, hein. Oh mon dieu. Attends, je vais t'aider. Ah non, on peut pas s'amuser quand c'est des... Bon, les... Encore. Oh, j'adore les finishing avec le marteau, je crois que c'est peut-être les meilleurs. C'est potentiellement les meilleurs, c'est les plus fun à regarder. Ce cœur suffira. S'ils veulent le taureau entier, qu'ils viennent le chercher eux-mêmes. Ah, mais il y en a du monde ici, vache. Ils sont tous donnés rendez-vous. Donc il me reste trouver la tablette ancienne. C'est méga grand en fait. Ah, des crânes sur des pics, c'est joli. J'ai vu qu'il y avait un
truc là. Ouais, mais c'est loin, c'est en plein milieu de l'eau. Je sais pas, il passait. Fallait pas passer. Ah, attends, c'est quoi ça? Bah, Phobos, attends-moi. C'est un vrai temple? Non, sinon il nous aurait dit. Non, y a rien. Là, on se casse, Phobos. Ouais, je pense que dans les armes lourdes, hein, le marteau est assez drôle. Pour ce qui est finisher, hein, je parle juste de purement ça. Enfin, quoi qu'à faire. Après, ils se trouvent bien, mais... Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien le marteau. Pas marteau, les masses quoi. T'es sérieux là? Putain, bien joué, le mec il m'attendait ici quoi. Bon, si on testait quelqu'un d'autre. Alors. Périmos, toi t'as l'air d'être un archer, c'est pas mon truc. L'indifférent, la rejetée, le cannibale, vas-y le cannibale. Allô? Donc le cannibale, il est absent. Bah c'est bien. Le cannibale est absent. Putain, il est très efficace. Hein. Alors est-ce que c'est parce qu'il est à côté d'un NPC pour rendre la quête peut-être? Mais putain, qu'est-ce qu'il veut le coq là? C'est pas... Non, hein. C'est... Par fil à on, c'est chaud de trouver un mec intéressant, en fait.
Après, je dis Philaon parce qu'on est habitué à lui, mais je suis sûr que les autres qui lui ressemblent sont pareils. Hein. Après, ils font mal. Je sais pas. Je pense que Philaon, quand même, tient mieux, fait plus de dégâts. As-tu trouvé le taureau blanc ? Je n'ai pas réussi à le ramener en vie. Mais je me suis débrouillée pour te rapporter son cœur. Cela ne suffira pas à gagner les faveurs d'Asclépios. Le taureau est mort sans accepter son sort et son cœur ne permettra de prier que pour une seule vie. Nystios, le taureau blanc que tu as tué était à moi. Ma ferme nourrit la moitié de l'Argolis. Et si je meurs, ce sera la famine. Non, non, mais c'est pas moi, hein. Je t'en supplie. Ce mal m'a enlevé mon mari. J'ai deux jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux si je meurs? J'ai de l'argent. Je te paierai pour ce bienfait. Ah, faut choisir. Très bien. Fais ce sacrifice pour eux. À toi de choisir celui ou celle dont les prières seront entendues par les dieux. Oh là là, l'éleveur, la femme riche, la petite fille. Oh, tout le monde va choisir la petite fille, hein, c'est ça? Hein, tout le monde va choisir la petite fille. L'éleveur, moi, je veux. Prie pour le fermier. Le taureau était à lui. Ce sacrifice aidera à nourrir les habitants d'Argolis. Merci, Mystios. Très bien. Tout est maintenant entre les mains des dieux. J'ai fait ma part, prêtre. La Spartiate que tu recherches. Tu l'as connue ? Sa visite au sanctuaire a marqué notre histoire. Mais c'était avant que je sois là. C'est Midon, l'aîné des prêtres que tu dois aller voir. Il parlait souvent d'elle. Du moins, avant qu'il ne se coupe la langue. Il s'est coupé la langue ? Quand il ne soigne pas les malades, il est à l'auberge. Il y passe beaucoup de temps avec les servantes. Merci. Je n'oublierai jamais ton aide. Comme ces gens n'oublieront pas la tienne. Yay. Ah oui, on s'en fout. Oui. Ne pas dire le mal. Ok, allons voir le mec qui boit. Non, regarde-moi ce bourrin. Eh oh, tu fais exprès d'être malade, toi, hein? Tu t'es bien levé? Ah non, je pense que Philaon, hein, on va le garder, hein. Mais bon, c'est pas un disco ball, ça? C'est l'élan qui est important. Oh mon dieu, j'ai toujours les mêmes références, c'est ouf quand même. Je suis vieux. Et voilà. Je dois rester caché. Ouais, on a déjà tué tout le monde. Ils sont morts. Et toi, tu dois être Midon. Il ne parle pas. C'est ce qu'on m'a dit. J'aimerais savoir pourquoi. C'est à Crisis qu'il doit ça. Je croyais qu'il se l'était fait lui-même. Pour lui prouver sa loyauté. Et pourquoi Crisis aurait-elle demandé à un prêtre de se trancher la langue? Midon est un homme bon et généreux. C'est de lui que j'attends des réponses. Pas de toi. Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant. Il ne peut répondre que par oui et par non. Non, tu sais pourquoi tu t'es occupé de la langue. C'est quoi cette musique là, elle est classe? Je sais pourquoi Crisis t'a obligé à te couper la langue. La nuit où ma mère a amené mon frère ici, toi et tes saletés de prêtres l'avaient laissé pour mort.
et Crisis a pris ses précautions pour que tu ne puisses jamais parler. Ce n'est pas ce qui s'est passé! Qu'est-ce que tu en sais? Tu es trop jeune pour y avoir assisté. Il m'a souvent raconté cette histoire avant que cette sorcière le prive de sa voix. Il a essayé de sauver le bébé. Il a fait tout ce qu'il a pu. Ah. Mais le bébé, c'est son frère. Mort ! Comment mon bébé a-t-il pu mourir ? Je ne sais pas quoi te répondre. Tu as eu de la chance que ton enfant survive aussi longtemps. Cette chute a été terrible. Mon bébé. Mon enfant. Donc ils l'ont kidnappé. Nous ne pouvons plus rien. Et maintenant, c'est le chef du culte. Loué soit Hera. Tous les deux. Je les ai perdus tous les deux. Il a pleuré pour cette Spartiate, si loin de chez elle. Son bébé n'avait presque plus forme humaine. Il respirait à peine. Ouais. C'est à toi que Crisis aurait dû arracher la langue. Je veux entendre quelqu'un qui était présent cette nuit-là. Crisis a pris le bébé, n'est-ce pas? Et elle t'a obligé à te couper la langue pour étouffer la vérité. Où est Crisis? Comme ça, maintenant, tu veux entendre ce que j'ai à dire? Ne me pousse pas à bout. Parle. Comme elle est vénère. Où l'on dépose les nourrissons malades dans l'espoir qu'ils guérissent. C'est là qu'elle a amené l'enfant. Il est près de la statue d'Apollon Maléatas. Tu y trouveras Crisis. Les gens viennent à ce sanctuaire pour être guéris. Mais je n'ai vu que des mourants privés d'espoir. Des prêtres sans langue. Et des bébés abandonnés à une folle. Cassandra. Oh yeah. Oh yeah. Ma mère a eu tort de faire confiance à des gens comme vous. Je vais trouver Crisis. Et elle va payer. Cassandra. Pour tout ce qu'elle a fait. Cassandra, calme-toi. Sans déconner là. Là ça devient ridicule. Mon enfant, puisse Hera bénir notre famille sacrée. Ça devient ridicule là. Alors, Crisis, adorateur de la lignée. Dans la chambre de Crisis figurait l'inscription « Abomination d'Hera ». Certains pensaient qu'elle avait été écrite par un adorateur mécontent, mais d'autres prétendent qu'elle était de la main de Crisis, afin de se rappeler son rôle de servante de Cosmos. Elle a passé sa vie à enlever des enfants et à les élever pour qu'ils servent cet immonde culte. Une part d'elle-même avait aimé ses enfants, mais cette part était morte depuis longtemps. Donc celle qui donne l'équipement d'immortel, 100% c'est vraiment cas de mort. Ça marche? Crisis qui me dira comment trouver ma mère. Je dois aller à cet hôtel d'Apollon Maléatas. Descendre. Allez. Ah, quand elle s'énerve. La Cassandra. Alors, l'hôtel est dans la partie sud-est de la vallée des rêves. Vallée des rêves, donc sud-est. Il est droit au sud du campement militaire de... Ça doit être le campement militaire. Bah tiens, on peut faire le campement militaire, puis après on doit aller là, sûrement, ou là. Ou là. C'est pas mal ça aussi, l'équipement d'immortel. Alors si on meurt, on est refoule santé. Mais bon, c'est pas très très utile pour nous. Mais... pas mal. Campement militaire. On va faire ça de nuit, vite fait. Là. L'hôtel d'Apollon Maléatas.
Ah, très bien. Non, fais du bruit le feu, hein, putain. Quoi qui gueule, c'est un ours? Ah, t'es quoi toi? Quoi? Mais c'est pas ton ours? Apparemment non. J'ai cru que c'était son ours, mec. J'arrive pas. Maintenant. De l'argent facilement gagné. Oh mon Dieu. On va voir si tu peux. Lui aussi. Ah la pute. Par les dieux, à moi. Attends toi. Ah putain de caméra de merde. De flèche. Les armes seront bientôt à moi. Ah oh non, le labruti. What the fuck? Pourquoi j'ai des flèches de feu? J'ai un navire. Rejoins mon équipage et découvre la liberté. Bon, lui, il avait l'air pas top top hein, quand même. Ça, je pense que ça sert à rien de le tester. 80% remplissage segment de potentiel incendiaire après navire ennemi brisé. Alors, j'ai vu qu'il y avait un coffre qui restait, je crois. Pas. Ah non, 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 on l'a fait, on l'a fait. Ah, par contre, il y a là, il y a juste là, c'est pas très loin. Vas-y, on va s'amuser avec la torche.
massue d'Héraclès. Casse-toi. Toi, t'as l'air stylé, toi. Ouais, non. Ah, c'est des mecs de la secte. Je suis pas vraiment caché, mais... chez la massue en bois d'olivier d'Héraclès. Elle n'ira pas loin. Oh. Très bien. Est-ce qu'on te prend en bateau ou pas ? Putain de toi, quoi. Vache. Ah, t'es des dégâts débiles, quoi. Parce que ça, des gens comme ça, on n'en a pas en légendaire, je crois. Faut voir leur avatar, en fait. Le lieu sera bien défendu. Faut voir si l'avatar est exactement genre banal, parce qu'il y en a au moins 4 différents ou 5 différents, pas plus. Bon, on va pas refaire la même connerie. Quoique, non, ça sert à rien ce que je viens de faire, c'est pas grave. Bon, du coup, c'est toujours elle. Ouais. Bon, après, elle est pas en or elle-même, en fait. C'est pas... Non. C'est faux ce que je dis, mais... Alors, c'est ici que les Cercopes ont caché la massue en bois d'olivier d'Héraclès. Cercopes. Allez-y. On va pas vraiment donner le... l'effet désiré, mais... En plus, elle s'appelle Alix, c'est classe quand même. Ouais, en plus, tu t'appelles Alix. Attends, j'aime bien moi. Je vais voir, est-ce que j'ai une arme qui fait pas de feu ? Mais la... Non mais attends... Attends, tu m'agrippes, ça me one-shot. Mais en fait, elle me one-shot. Parce qu'elle fait directement un... Elle fait directement une animation, en fait. Donc elle me one-shot. On dirait moi qui assassine les gens, quoi. Elle fait exactement pareil. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. C'est ouf, quoi. «
Elle m'intéresse, elle. Je veux tester si elle est... Si elle est vraiment aussi puissante que ça, en fait. Après, quand elle sera de notre côté, elle va être nulle, je suis sûr, hein, mais bon. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Très bien. Ah, si on peut. Aujourd'hui, tu gagnes ta liberté. Viens naviguer avec mon équipage. Alix. Elle est nulle, hein. Mais on va voir. Elle est nulle pour la navigation, mais pour le combat, elle est peut-être hors pair. Hein. Alors, c'est ici que les Cercopes ont caché la massue en bois d'olivier d'Héra. Par contre, ça va faire mal au bateau hein, d'avoir une personne en bleu comme ça. Les stats, elles en prennent un putain de coup. Sur eux. Elle fait rien de spécial par contre, elle a juste deux épées quoi. Ah, évidemment, elle fait beaucoup moins mal. Non, ça vaut pas le coup. On va la garder parce que c'est la seule qu'on a comme ça. C'est pas Firaon là, mais il a le même icône, donc on va voir si c'est le même personnage. Et on devrait arrêter notre épisode ici. Allez, on va quand même aller voir la quête. Ça fait, je crois, le dernier épisode aussi dépassait les 2 heures. Voilà la statue d'Apollon. Et l'autel. Un avertissement. Ah, un aigle mort. Je dois approcher du but. Bon, on continue. Cela, c'est un peu étrange, là. Adef, vous allez mourir. Ah ouais, c'est eux. Ah.
What? Mais il m'a bloqué mes... mon attaque. Oh, vous faites chier. Que deux, sérieux? Le meurtre semble être un trait de ta lignée, ô porteuse d'aigle. Comment oses-tu parler de ma famille, vipère? Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était pitoyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrine avait deux enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était mort. Mais il l'était. Oh, ce qu'elle a pu pleurer quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée de lui, je l'ai déposé sur cet autel, j'ai imploré les dieux de lui laisser la vie, et ils m'ont écouté. Ouais. Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait. Ce monde n'est que souffrance. J'ai donné à Deimos la force de survivre. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux aussi devenir ta mère, porteuse d'aigle. Il ne s'agit pas que de ma famille. Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec. Vous n'apportez que la souffrance. Tu parles de souffrance en me menaçant, les mains tachées de sang. Tu es une meurtrière, tout comme ton frère. Regarde, laisse-moi te montrer. Waouh. On récupère l'enfant. Ce bébé est à toi. Il était mourant. Crésis m'a demandé d'apporter un présent à Hera pour qu'elle le protège. Crésis a mis le feu au temple alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils. C'est une servante d'Hera. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Oh mon dieu. Ce qu'elle devait faire. Ton enfant aurait brûlé vif. Tu l'as sauvé. Les dieux te gardent, porteuse d'aigle. Dors vite, mon fils. Ta mère est là. Genre, on aurait pu l'arrêter ou alors... C'était une bonne idée de sauver ce bébé. Ouais, ouais, moi non plus. Crésis sévit depuis trop longtemps. Si ce qu'a dit Crésis est vrai, Myrine pense que mon frère est mort depuis longtemps. Je devrais avoir assez d'informations désormais. Faut que je retourne voir Aspasia à Athènes. Je ne peux pas laisser partir Crésis. Il faut que je la tue. Ouais, ouais, je suis d'accord. Par contre, regagner Athènes. Ouais, mais comment on trouve Crésis? Ah, mais attends. Peut-être ça, le gouffre d'Héraclès. Par contre, on sait qui c'est maintenant. On devrait pouvoir la traquer, non? Elle est à droite. Bon, apparemment, non. On peut pas la traquer directement. On peut pas. Par contre, il y a un truc de quête, là. Ça, c'est en or. Donc, on va y aller. On peut y aller en aigle, vite fait, non? Oh, c'est un peu long, quand même. Ça vole pas un peu plus vite, l'aigle, normalement? Putain, machin, quoi. Ah, je pense qu'on aurait pu peut-être l'arrêter maintenant, la Crésis, là. Mais du coup, laisser l'enfant brûler, j'imagine. Ah, ça a l'air d'être une arène, en fait. Ça a pas l'air d'être lié à Crésis. Ouh, ça a l'air d'être un combat, en fait. Le roi des animaux.
Ah. Ah, combat contre un lion sacré. Lion de Némé. Ouais, animal légendaire. D'accord. Ça marche. À la prochaine. Ciao.